Hello. Hi everybody. María, gracias siempre por esta oportunidad. Estás atrás del éxito de la pintura sobre porcelana. Siempre un apoyo gratis con todo lo que tienes que hacer. Hello. Hi everybody. Hi from Italia. India, Argentina, México. Bonjour Nadine. On va juste attendre un petit peu. Comme d'habitude, je vais essayer de parler les trois langues pour pouvoir participer à l'assimilation totale de mon cours. Hola de Lima, hola Carmen. Ciao Auxilia, Veronica, hola, hola desde Bolivia. Nelia está sin internet, que no puede vernos. Hola Nelia. Nelia tuvo un momento muy difícil con el coronavirus. Gracias a Dios se siente mejor. Buen día de Sao Paulo. Buen día. We are going to wait a little bit until everybody is ready. I don't know if somebody is trying to paint with me at the same time. Buen día, Levi. Hola. Hoy. ¿Todo bon? Bueno, vamos a. Es una foto que tiré del Pinterest. Hay muchas lindas cosas que pueden tirar salvar del Pinterest. Vamos a tratar de acercar lo máximo que se puede la imagen a la pintura. We are going to try our best to do the same. It's a picture. So we are going to give the effects and to try our best. Alors, c'est une composition que j'ai enlevée du Pinterest et c'est facile. Il y a plein d'images que vous pouvez réserver. Je vais essayer et faire de mon mieux. Salut Micheline! Je vais essayer de mon mieux de faire pareil et de tirer les effets de l'orange, disons, et de l'ananas. Ciao, ciao Elisabetta. Madou, hello. I'm very sorry about what's happening in India. We always pray for you. We're passing really hard moments in the world. Hope we are going to make it soon. Well, I'm going to explain what I did. I transferred my design. Hello, Rina. I transferred my design on a tray. You can do it on a plate or on a vase or whatever. And you can work later on. You have just to go on Porcelana Virtual page and or my page, and you can see and work. Hello. Muchas gracias, María. Bueno, la verdad es que para poder avanzar un poco rápidamente en nuestro trabajo, reservé algunas partes, ¿okay? Como las hojas, como las gotas de agua, y traté de no acercar el red resist.
uno del otro. En caso saco este, la otra parte se queda. Dejé una pequeña línea. I reserved some parts because I wanted to have a clean work. So I reserved the pineapple part and the leaves. And when you see the intersection here between the edge of my fruit and the leaf, I leave a small space. Just when I take off one part, I will not take the other one also. J'ai réservé alors la partie de mon fruit pour avoir un travail bien défini. Donc j'ai réservé la partie de l'ananas et puis les feuilles. Mais quand même j'ai laissé entre la feuille, tout en mettant mon réserve, j'ai laissé un petit espace ici entre les deux pour que quand j'enlève la réserve de la feuille, que je n'enlève pas le pourtour de mon fruit. Bueno, son las 6:05, creo que voy a empezar. Salut Annie, salut tout le monde, merci d'être toujours fidèle. Gracias por estar siempre fiel a mis clases, es un honor. Y thank you for being always loyal to my class. I'm really very happy. I always thanks Maria Fernanda for all this effort that she's doing. And don't forget to subscribe in the international exhibition of Maria. You have to contact her. It's so simple. Last year it was a real success. Voilà. Je me connecte. Tu eres la generosa, Maria. Gracias. Bueno, ahora que mi perro quiere jugar, anda. Bueno, por favor, la cosa la más importante es siempre el ajernos, el estar lejos de usar color cadmio, porque el resultado es muy feo después de la quema y es imposible de retocar. Bueno, imposible. Yo tengo aquí, tenía una, bueno, la zanahoria debería estar naranja con amarillo. Miren cómo salió con una estudiante mía, una alumna. One student has used a cadmium color with the yellow. So look at the ugly result. So please avoid using always it has to be orange. Now the orange, the yellow ate the orange. So please, no cadmium in this kind of painting. Éloignez-vous des couleurs cadmium. Comme je vous ai montré, les carottes devraient être jaunes et oranges, mais malheureusement, le jaune cadmium a mangé l'orange. Donc, ici, j'ai préparé déjà mes couleurs. Je vous montre un peu. Voilà. comme je vous ai dit, deux, trois tons de jaune, un orange, peut-être deux, du rouge, un peu de marron et trois ou quatre tons de vert. Tres o cuatro tonos de amarillo, dos naranja, un rojo, un marrón y algunos tonos de verde. We have yellow. We have 3-4 tones of yellow, orange, red, brown, and greens. So I'm gonna take just one
second to voila. Okay, non, c'est comme ça. Moi et la technologie, on fait deux. Okay. You are going to tell me if you see good. I think we are good. I need to know. Is it okay? Everybody is clear and maybe like this or no? Yeah. I'm going to start. Siempre dejan un diseño sobre la mano porque es importante de poder sacar la luz, poder ver, observar dónde está oscuro, dónde está claro. Bueno, alors, il faut tout le temps laisser devant nous un exemple de modèle pour pouvoir bien observer les couleurs claires et les couleurs sombres. I always say that we have to leave under we have to leave a sample or a picture that it will inspire us where is the light and the shadow. Okay, here we go. As we have 4 Mondays to finish our work, we are not going in a hurry. I'm going to explain and explain. Comme on a 4 lundis pour terminer notre travail, donc notre travail va être étalé sur 4 lundis. Et comme ça, on aura le temps de terminer gentiment. Je répondrai à toutes vos questions. Pardon. Donc, on va aller doucement. Tenemos 4 lunes para poder terminar este trabajo. Et pour eso, vamos a trabajar despacito. Y responderé a todas las preguntas. Bueno. Para empezar, voy a poner los colores a donde deben estar. Digamos, esta fruta. No voy poniendo el amarillo a toda parte. Pongo colores a donde lo veo. I will put the colors where I see it. I will not put all over the yellow or the orange. I put yellow where is it, it's yellow and orange and red where it is. Les couleurs, je vais les déposer, les disposer telles que je les vois. Donc, je ne vais pas aller mettre toute la couleur, disons, jaune sur mon fruit. Je vais mettre les couleurs là où je les vois. Donc, je commence toujours avec un jaune qui est un mixing yellow. I start con un mixing yellow. Please, always while painting, try not to erase the carbon line. It's easier for you. I will put today I will put just a base for my work. So no effects, only a base. And excuse me, I cannot see any more your messages. I will read it later on.
Je viendrai plus tard à lire vos messages, s'il vous plaît. N'hésitez pas de laisser des questions parce que maintenant je travaille et je ne vais pas pouvoir voir vos messages. Ok. Cuando trabajo un color, digamos por dos o tres quemas, voy a la primera quema con el color lo más claro, porque a cualquier momento puedo añadir un color más oscuro, más no sacar la luz de un color quemado. Ok, lo voy a hacer más simple. Hay gente que pueden que pueden esfumar con el pincel y otros que no pueden. Bueno, pueden usar una esponja. No es la manera buena de hacerlo, mas bon, vous pouvez tricher en usant un tampon, une éponge. Mais ce n'est pas la meilleure façon de travailler des fruits. You can use sponges if you can't work with a brush, but it's not the best way. Okay. You always have to respect, please, the direction. Here it is round, so never go like this. It is round. You go with the direction, always. Allez tout le temps avec la direction de l'objet dont vous êtes en train de peindre. C'est-à-dire, ici, c'est rond, je suis en train de tourner les coups de pinceau. La pincelada deben estar siempre con la forma del objeto. Digamos aquí es redondo, voy redondo de este lado y del otro lado, nunca así o vertical. Ok. Ahora puedo ir directamente con el color más oscuro. Mas yo prefiero porque es un trabajo común y hay estudiantes que no pueden hacerlo. Voy a respetar y voy a dejar un poco más simple. My target now is just to put the colors where it has to be and to blend it well. Blend it well, please. Don't leave excess of painting. And the most important thing is to take off the light, because once it's fired, I cannot go back. La chose la plus importante, c'est d'enlever maintenant là où je vois les lumières. Parce qu'une fois cuit, c'est fini. On ne peut plus faire marche arrière. Donc, après avoir déjà mis les couleurs là où elles doivent être, je viens et j'ouvre les fenêtres de lumière. Voilà. Abriendo las ventanas de luz, porque una vez quemada no se puede hacer marcha. Bueno, voy a ahora. Es más cómodo para mí de trabajar con el plato. A veces sí y a veces del otro lado. Ok.
Con un liner voy a marcar, porque después de la quema, esta línea se evapora. Ahora, ¿cómo saber dónde está esta línea si no pongo un poco de naranja? Après la cuisson, la marque du crayon va disparaître. Comment je vais pouvoir différencier les deux jaunes et où est l'ouverture de mon fluide? Donc, je suis obligée là de marquer à l'orange un tout petit peu. Voilà, le derrière. Juste pour donner l'effet que... Et puis à l'autre cuisson, une autre cuisson, on viendra accentuer. Bueno, fine. This line, the carbon light after firing, it's going to disappear. So please, you have to put the shadow where it has to be. Even if we can do it next time, but I prefer now just to mark. Do you? Ok, y siempre cuando pongo un color lo esfumo. Always when I put a new color, I blend the light and then the dark, just to have not to have a heavy line between the two colors. Okay, and I will go and open it a bit from this side, so I will have another light. Okay. Bueno, aquí no voy a hacer ahora, deja ver, para poder iniciarles para la próxima que va a ocurrir. Aquí la próxima vez, después de la quema, voy con un pincel a hacer la, ¿cómo se dice? La... el efecto de la naranja, de la piel de la naranja, ok, with a brush, synthetic brush, anyone, you can go with this or with aquarelle brush or whatever, you can go and make the holes that has the peach, ok, the texture. Okay, so don't ask me what is and where is the material that you have is okay, so please use it. Here also, after firing, this line will disappear, so I have to trace a bit darker. When I put a bit darker, it means I have to open a light the other side. Ok, alors, la ligne, la marque du carbon va disparaître after the firing, après le... c'est très comique, hein, parler trois langues en même temps que expliquant et faisant la peinture. Bon, alors, la ligne va disparaître.
après la cuisson. Toutes les lignes du crayon ou du carbone vont disparaître. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à mettre mes appuis, si vous voulez. Donc, si j'ai mis ici un peu de rouge, ou bien une couleur sombre, il faut de l'autre côté ouvrir la lumière, d'accord, pour pouvoir se référer la prochaine fois à mon dessin. Bon. Voilà. Et s'il vous plaît, une fois que vous avez ouvert une lumière ou bien vous avez ajouté une couleur sombre, allez en dégradant, couvrir les deux couleurs, sinon c'est pas joli. D'accord, ici j'ai l'impression que c'est un peu dur. Voilà. Voilà. Génial. Ça va? Tout le monde est content? Tout le monde voit bien? L'explication est bonne? Fernanda? Todo bien? La explicación está buena? Todas felices? Bueno, no puedo leer. Voy a leer después. Everybody is happy. Everybody can reach. If somebody is painting with me, I would be really happy if you show me your work afterwards. Okay, always go by blending the two colors. Don't leave a hard line between two colors. Okay. Here also I will open a light. Okay. And as I told you, always you have to go with the direction. Okay. Here also you see I'm turning my plate to have the direction, always towards your heart. This is why porcelain painting is really, really nice, because always you paint toward your heart. Alors, j'ai bien dit qu'il faut toujours respecter la direction du pinceau quand vous peignez, d'accord? Et que je vous explique. Alors, un crayon, quand j'ai un crayon, il disparaît. Voilà. Alors, comme c'est rond, comme notre pêche est ronde, donc on a ça. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, the brush strokes, I'm talking about brush strokes, je parle des coups de pinceau. Estoy hablando de las pinceladas, ok? Nunca hacen pinceladas rectas para algo redondo. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahora, sí. Bueno, touches de pinceau, brush strokes like this, like this, like this, like this. And this is why it's important from time to time to turn. Por eso es importante de girar el plato a veces cuando hacen las direcciones. Ok? C'est important de tourner votre plat en travaillant pour pouvoir être tranquille. Ok. Ok, alors. Lo más importante hoy, por favor, es sacar la luz. Siempre luz. Así me decía mi profesor de pintura. Luz,
luz, siempre la luz. Ok, aquí hay luz, aquí también luz. Ici aussi la lumière, je suis en train de faire sortir la lumière, s'il vous plaît, parce que après la cuisson, c'est fini. Et voilà, je pense que je suis ravie de... Je suis ravie de mon effet. Bien qu'il ne faut pas que je fasse ça aujourd'hui, il faut le laisser pour la prochaine fois, mais quand même, voilà. Ok? Ok. While you're working and you don't want to erase what you are working with, if you have red resist, you cannot put cling film, because once you take off the cling film, you are going to remove with this. The red resist. Si vous êtes en train de travailler et vous voulez pas que votre design s'efface, il faut bien couvrir un côté, si au cas où vous prenez tout le temps des appuis. Donc il faut éviter de mettre un cling film, parce que si vous mettez un cling film et vous l'enlevez, vous risquez aussi d'enlever avec le red resist. En caso la mayoría tienen un apoyo para poder pintar, fija, cuando usamos el cling film y tenemos este red resist aquí, si sacamos el red resist, el cling film se va a sacar con el cling film. Por eso se pueden usar un papel, cualquier papel, así, y pintar tranquilamente. Bueno. Antes de pasar a otra cosa, te voy a decir que para mi ananas, como se dice ananas en español, María Fernanda, ya pasó. Por mon ananas, j'ai fait un petit marron inserti. J'ai fait inserti pour accentuer les traces de l'ananas. Je vous montre. Je pense qu'on va travailler deux fois avant de mettre au four. Creo que vamos a pintar dos veces antes que se va al horno. Entonces, preparé un poco de cerchi, que sea 169, que sea anís, que sea cualquier cosa, a que n'importe quoi. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on va procéder pour l'ananas. How to paint the ananas. So, I prepared this contouring oil. And to we have to put it all over. So if somebody is painting with me later on, all what you have to do is prepare it also and trace it. But okay, I will explain it why later. I'm going to paint now one leaf. Okay, this is why I put here already my red resist, and I take it off. So my design is clear. Okay. There is many ways to do the leaves.
Il y a mille façons pour peindre les feuilles. Donc chacun peigne comme il veut, libre. Et c'est ce qui est beau dans la peinture, c'est que chacun donne de soi. Alors, je vais prendre par exemple celle-là, je commence. Aussi, comme on a l'opportunité de travailler plusieurs cuissons, on va travailler doucement, on va faire les bases. Comme ça vous facilite la tâche. Como tenemos la oportunidad de tener 4 lunes para trabajar este diseño, vamos a hacerlo despacito. Bueno, la mayoría preguntan qué aceite usar. Yo digo el aceite que estás acostumbrado a usar. La plupart me demandent quelle huile vous avez travaillé. Bon, je vous dis, travaillez avec l'huile qui vous plaît parce que chacun est habitué à une technique. Donc, l'important c'est de laisser voir la lumière et ombre et lumière. Voilà. Yes, it's going to be only this light today, okay? I take care only of the light. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais peut-être un tout petit peu aller juste un peu, pas beaucoup. Hoy voy a pintar muy clarinho porque tenemos la chance de pintarlo por 4 veces. Ok. Sacar la luz es lo más importante. Tira la luz. Please, in this also. You cannot go plain. You have to see where is the light and where is the shadow. So, what is important for me today is to take off the light, even if it is one color, just give me light. Ah, ça se voit pas. Where is my camera? Okay, I have to go this like this. And always respect, please. You see the direction like this and like this. Alors aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est de mettre la couleur, même si c'est une couleur uniforme. Mais s'il vous plaît, juste laissez-moi l'ouverture de lumière. Por favor, mismo que sea un color, el verde hoy. Yo quiero ver luz solamente. Abren la luz siempre. Ok. Y que sea nítido. Bien definido, que ce soit bien défini. Donc voilà. Et ça va pour maintenant, je suis bien, j'aime. Ok. Voilà. Et là, je vais enlever. Avant d'enlever, antes de sacar, por favor, este marrón que sea la adentro de la fruta, vamos a marcarlo. Así la próxima vez será más fácil de añadir colores. Bueno, please add me this brown here.
just because it will be easier for me to add colors next time. Gracias, María, por elegir este tema. Bueno, me pregunten, ¿no tienes una línea especial para ti como una marca? Yo digo, ah oui, ok, je vais enlever. Et vous allez voir comment, voilà. Bueno, yo soy artista y hoy me gusta pintar frutas, mañana retratos. Lo más importante es tratar de hacer lo que me gusta hacer. Me aburro pintar la misma cosa siempre. Bueno, they ask me why you paint everything. Well, first of all, I'm a teacher, so I have a class, I have students since 20 years now, and it was a challenge for me to paint with them and to please them, because the student, when he comes to you, you have to please his taste. So it was a challenge, yeah, a real challenge. And I like, it's boring for me to paint every time the same thing. On me demande, où es-tu? On me demande, tu peins plusieurs techniques? En effet, oui, parce que je suis professeur et j'aime mes étudiantes qu'elles soient satisfaites. Donc c'était pour moi un challenge de quand j'ai commencé. Et bien, aussi à l'université, on nous apprend tout. Donc, voilà. Voyons. Pas mal. Ok. La lumière, s'il vous plaît. La lumière. Believe me, it's easier to work like this, okay? You can do it from one firing, but we respect the new students. Es fácil de hacerlo de una vez, mas debemos respetar también las nuevas alumnas. Il faut respecter les débutantes. Donc c'est pour ça que je vais travailler doucement. Voilà. ¿Qué hora es? Me falta 15 minutos. Ok, voy a terminar. Vamos a hacer después este. Voy ahora poner también de la naranja. Lindo. Bueno, alors je vais travailler ici pour parce que le temps avec vous il vole, le temps vole avec vous. Donc il me reste encore un quart d'heure. Je vais juste mettre mon petit jaune ici et couvrir d'un orange le reste, pour pouvoir estomper les deux couleurs ensemble. Well, time flies with you ladies. I can paint for hours. I guess you also.
And we still have only 15 minutes. That's why I'm going to prepare the orange. You see, I'm not touching the yellow. No toco el amarillo. Lo dejo donde está. I leave my yellow where it has to be. The only thing that I have to do is blend. I blend always towards my heart, okay? Light, loose, and here I go. Now, from the yellow to the orange, from the yellow to the orange, del amarillo hasta la naranja, del amarillo, du jaune à l'orange. Du jaune à l'orange, d'accord, pour laisser cette partie jaune, parce qu'elle est jaune, d'accord. Je répète, il faut pas peindre une fois que j'ai mis mon jaune, une fois que j'ai mis mon jaune, mon orange, si je passe mon orange sur mon jaune, j'aurai une troisième couleur, et c'est ce que je ne veux pas. Donc, du jaune à l'orange, et du jaune à l'orange, d'accord, même les côtés. J'y vais gentiment. Voilà, cette partie devrait être plus foncée, évidemment, parce que j'ai mon ananas. Tengo mi ananas aquí y sobrepuesto, que este lado debería estar más oscuro. Es la sombra de disculpa, es el mango que está aquí. Donc mon orange devrait être plus sombre de ce côté, parce qu'il y a ma mangue, c'est pas la nana, excusez-moi. I have my mango here, so the shadow of the mango should be behind, and this is why this part of the orange is darker. Okay, no es suficiente lo que he hecho. Voy con todo eso a abrir un luz. No, it's not enough what I did. I have to open another light. C'est pas important ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il faut que j'ouvre une fenêtre aussi de lumière. Donc tout ce que je fais, un appui, un pinceau tout net, tout sec, propre, j'appuie et j'enlève. Ok, c'est tout. I don't put anything in my brush. I just clean it, a proper and clean brush. I just push and take off the color. María Fernanda, estás. Y como no puedo ver los comentarios, mas tengo mi celular abierto. Si quieres que paro, puedo parar a las 7. Bueno, a las 7 me haces por favor un missed call, ok. Ahora la broma, si María Fernanda no está, ¿quién me haría el missed call? I love it. I just love it. Boba, sí. Bueno, de nuevo. Cualquier
pincel, un barrer, cualquier pincel acuarelado, cualquier pincel para acuarela, sirve como es para esfumar. Alguien. Hola, dime, estoy viendo. María está, gracias a Dios. Bueno, this is a brush. I use a brush like for aquarel or for marter. Just clean, okay? This brush is always like a putois stampler. So, juste pour putoiser un peu la couleur claire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller aussi dans la direction. Vous avez vu? Il faut tourner tout le temps votre plat tout en travaillant. D'accord? Pour avoir cet effet. OK. Mándame otro mensaje. Dime que me amas. Bueno. No recibí un mensaje de María Fernanda. Bueno. También. Voy a usar este grande pincel para darle más, que sea más natural, ¿ok? Deja acercar un poco para que vean. Yo te amo también. ¿Quién me ama? Voilà, ça se voit. Alors, c'est le pinceau qui va donner l'effet, si vous voulez. N'importe quel pinceau, n'importe quel pinceau. Martre peut faire l'affaire. Bon. Ok. Yo te amo también. Yo amo a todo el mundo. Amo la gente que pintan porcelana. Que pintan, va que pintan porcelana sobre todo. Este pintura me fascina. Creo que he hecho algo errado aquí. Debo sacar este y llenarlo. Voilà. J'ai fait une erreur ici. Donc, j'ai mis mon réserve pour peindre la feuille et j'ai commencé à peindre le fruit avant, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je travaille, quand je travaille à l'huile molle, ça aide mieux. Voilà, ce sont les effets des fruits. Et puis, comme on a encore, on va prendre 5 minutes de notre temps encore plus. We are going to take 5 more minutes, Maria Fernanda. Just let me finish one side. Voilà. Thank you for watching the video. I hope you liked it. Thank you, Maria Fernanda, always for this opportunity, again and again. Merci, Maria Fernanda, pour ta générosité, pour ta passion. C'est une passion ce dont tu es en train de faire, hein. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire au concours. C'est très intéressant et croyez-moi, les profs sont très généreux.
Et tout autant, il faut être active. You have to register for the international exhibition. Believe me, all the teachers and the jury were like generous and really generous. It's fun. It's to collaborate. It is to exist. And sometimes when you don't expect that you are going to win, you win. So give it a try and subscribe to the international exhibition. I think it is the last entry is in September. You will ask Maria Fernanda. She's better in this way. Voilà. Et puis, d'accord, il suffit pas, j'ai mis la couleur, mais maintenant je vais juste accentuer un tout petit peu. Voilà, les couleurs. Always. Siempre respetando, por favor, la dirección. Ok. Y después aquí. La observación es la mejor técnica para para llegar, porque la imagen o la que están usando les ayuda a ver. Ok. Voilà. Ok. Voy a marcar la gota de agua. I will mark. I will mark the I go like a bit darker. And I don't forget to open the light. It's okay, we can finish it next time. But if you insist, I will demo one today. It's better to do it on a ready leaf. So I will leave it. You see the shadow from up. And don't forget to blend. I think it's useless. I'm doing it now. We have to do it later, but we have to mark it, okay? At least leave the space for it. Okay, alors les gouttes d'eau, on va juste les marquer avant d'aller au four. Il faut les faire juste après que la feuille soit prête. Voilà. Ouvrir la lumière tout le temps. Voilà. La lumière est où là? La lumière est là. 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 And I blend. Voilà. I think, wow, we did it. Bravo. Okay, let me finish it so.
If it comes to me, I will finish the plate now. Si tuve la oportunidad, lo haría en completo ahora. Y me mataría, ok. María Fernando. Graciosa. En serio. No, en serio. Okay, this part is green. Okay, no, not now, please. Ah, okay, Fernanda. Okay, I have to stop. Just I want Maria Fernanda is calling me. We are going to take a vodka on the beach. Ok, María, déjame terminar esta parte y vamos a hacer la fiesta. Ahora no es. Yo no quiero un mate, por favor, ahora. Yo quiero una cerveza, un vino. Voilà, María Fernanda me est en train de m'appeler pour m'aviser que notre temps est fini pour aujourd'hui. On va se voir lundi prochain à la même heure. Nos vemos el próximo lunes para terminar el plato. I give you another appointment next week, the same hour, the next Monday at 6 Lebanon time, 12 Argentina time, to finish the other side. And if we go, and if we finish, don't worry, I have many, many things to show you. Okay. Un petit verre juste pour. Voilà, un tout petit peu d'huile avec un tout petit peu de la térébenthine pour que ça ait un effet fluide. And I trace up too much liquid. Voilà, juste pour tracer le verre et n'oubliez surtout pas la lumière. Voilà. Alors pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much for being and watching me. Muchas gracias para ustedes. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. And from now until then, just a second. Voilà, j'espère que j'ai bien. Nelia, hola, te veo online. Gracias, Habibi, por estar. Bueno, muchas gracias. Espero que la mayoría han aprovechado también de esta demostración. Nos vemos el lunes próximo. Merci beaucoup. A la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Have a great week, everybody. Love you all. Thank you. And this is what we painted for today. Allez, je vous embrasse tous. Merci Maria.